le diorama! Recouvrez le diorama! Recouvrez-le! Protégez le flocage! Coupez tout maintenant! Arrêtez tout! Qu'est-ce que vous foutez là? Eh, mais c'est ma bouteille de glacis! Elle sera plus utile, ça je peux vous l'assurer. Nom de Dieu, mais pour qui vous prenez-vous? John Hammond, je suis représentant commercial chez Games Workshop. Ravi de faire enfin votre connaissance. On dirait que vos contreparties publicitaires ont été bien utilisées. Bon alors, qui est ce con? Je vous présente notre spécialiste en soclage, elle s'appelle Ellie... Sattler. Sattler. Ellie, voici John Hammond. Pardonnez-moi cette entrée spectaculaire, Madame Sattler, mais nous sommes un peu pressés. Vous aimez les glacis? Moi j'en ai plus l'utilité, je vous en prie, asseyez-vous. Attendez, laissez-moi faire. Non, je m'occupe de ça. Je me débrouille très bien dans le hobby. J'irai droit au but. Vous me plaisez, tous les deux. C'est le genre de choses que je sens immédiatement, c'est un don. Je travaille pour une entreprise non loin de Nottingham. J'ai eu la concession du gouvernement et j'ai passé les 5 dernières années à la création d'une sorte de peinture magique. Une vraie réussite, j'ai dépensé sans compter. À côté, la gamme actuelle ressemble à de l'aquarelle. Et je suis sûr que nos produits vont complètement affoler les débutants. Mais c'est quoi? Des pinceaux à vibration, chérie. Et pas seulement les débutants, tout le monde! Elle sortira la semaine prochaine, enfin si les sceptiques n'ont pas eu ma peau avant. Je n'aime pas les sceptiques, et vous? Ah, J'en connais pas. Eh bien moi si, hélas, et particulièrement ceux qui doutent de ce produit. Ils disent qu'ils préfèrent attendre un avis extérieur. Mais quel genre d'avis? Eh bien, le vôtre, pour vous mettre les points sur les i. Je veux dire que dans votre domaine particulier, vous êtes des sommités. Et si je pouvais vous persuader de donner votre aval sur ma peinture? Vous voyez ce que je veux dire, approuver mon projet, me pondre une petite vidéo YouTube, je la vendrai plus vite, enfin, dans les temps. Mais pourquoi se fierait-il à notre avis? De quel genre de peinture s'agit-il? C'est pile dans vos cordes. Je vais vous dire, pourquoi ne passeriez-vous pas la tester ce week-end? J'aimerais avoir l'opinion d'une spécialiste en socle aussi. J'ai un jet qui vous emmènera à Lenton. Écoutez, je suis désolé, mais c'est impossible. Nous venons de commencer une nouvelle commande d'armée. Je pourrais vous donner comme compensation le financement total de vos projets. Et c'est une époque de l'année... Pour les 3 prochaines années. Eh bien... Oui. Oui. Oui, d'accord. À la vôtre !